Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à Robert Oppenheimer. En 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale et malgré ses affinités avec le communisme, Robert Oppenheimer est nommé directeur scientifique du projet Manhattan par l'armée américaine. Vous voulez en savoir plus sur le père de la bombe atomique? Venez avec moi! Le 22 avril 1904, Julius Oppenheimer accueille le fils que sa femme Ella vient de lui donner. Cet immigré allemand a fait fortune en quelques années grâce à son travail acharné. Son premier-né est prénommé Julius Robert, on l'appellera Robert. L'enfant a hérité de la détermination de son père et de la beauté délicate de sa mère. À cette époque, ce sont les hommes qui font la conquête du monde et on attend des mères qu'elles transmettent beauté et douceur. Choyé par ses parents, Robert est initié aux arts et aux lettres, loin des enfants de son âge. Lorsqu'il entre à l'école, ses camarades voient en lui un petit garçon arrogant et ses professeurs un singe savant. Il est parfois renvoyé des cours, non pas parce qu'il s'est mal comporté, mais parce qu'il en sait plus que ses enseignants. Robert est brillant, il s'intéresse autant aux sciences qu'à la philosophie, à la poésie, à la spiritualité. Il parle plusieurs langues et il rêve de devenir célèbre grâce à cet intellect qui le singularise et le fait se sentir isolé du monde. Ce que les autres prennent pour de l'arrogance n'est souvent qu'un moyen de cacher son mal-être face aux gens. En 1922, à 18 ans, il intègre Harvard, où il suit simultanément plusieurs cursus de sciences et de lettres. La vie sur le campus le stimule intellectuellement mais renforce sa solitude. Robert Oppenheimer flirte avec la dépression. 3 ans plus tard, alors qu'il se trouve au Cavendish Laboratory de Cambridge, il publie plusieurs articles reconnus pour leur qualité en astrophysique. Malgré cela, il doute cruellement de son talent. Il achève ses études aux Pays-Bas, où il se forme à une toute nouvelle discipline, la physique quantique. Un ensemble de théories qui vise à expliquer les comportements de l'infiniment petit, ceux des atomes et des particules qui les constituent. De retour aux États-Unis en 1929, Robert Oppenheimer, désormais docteur en physique, est le seul scientifique américain formé dans ce domaine de pointe. Il fonde alors une école de physique théorique à l'université de Berkeley près de San Francisco. Sur l'estrade de la salle de cours, Oppenheimer, homme mince au regard bleu perçant, orateur de génie, subjugue ses étudiants qui ne comprennent rien tant le cours est complexe. Le professeur écrit des équations à toute vitesse sur son tableau noir tout en fumant des cigarettes. Bien que déconcerté, les élèves l'idolâtrent. Oppenheimer est doté d'un charisme hors du commun. Occupé à ses équations, le physicien ignore pendant plusieurs années les conséquences du krach boursier en 1929, qui mine pourtant le moral de ses élèves. C'est une femme qui va lui ouvrir les yeux sur la misère d'une partie des Américains. En 1936, Oppenheimer rencontre Jean Tatlock par l'intermédiaire d'amis communs. Cette femme passionnée et sensible en psychologue et militante communiste. Robert Oppenheimer, qui n'avait jamais vraiment osé approcher les femmes, alors qu'il charme toutes les personnes qu'il rencontre, tombe amoureux pour la première fois. Jean lui fait découvrir le communisme. Robert s'y intéresse parce que certaines idées sur la justice sociale le touchent. Mais il est trop indépendant d'esprit pour suivre une idéologie à la lettre. Jean est une femme brillante, mais tourmentée. On raconte qu'elle n'assume pas son homosexualité, ce qui la rendrait dépressive. Auprès d'elle, Robert Oppenheimer se voit en chevalier blanc, mais Jean refuse d'être sauvé de son mal-être. Elle quitte Robert après 3 ans de relation et lui brise le cœur. Le physicien se console dans les bras de Kitty Harrison, une autre communiste passionnée et fragile, qui quitte son mari pour l'épouser. Oppenheimer a 36 ans et il est le 4e mari de sa femme. Il est difficile de savoir si Robert Oppenheimer avait mesuré à l'époque l'ampleur dévastatrice que deviendrait sa future invention. Car le physicien était un personnage complexe, à la fois pétri d'éthique depuis son enfance et un chercheur brillant et ambitieux. On retiendra que par la suite, Robert Oppenheimer s'est opposé au développement de la bombe H pour hydrogène, 1000 fois plus puissante que la bombe A pour atomique. Il a également milité pour que la recherche nucléaire soit strictement encadrée au niveau international et mise au service de la science civile. Une position prudente qui lui est reprochée par la suite.
Dans les années 50, Robert Oppenheimer tombe en disgrâce à la fois en raison de cette opposition à la bombe H et de ses relations avec des personnalités communistes. En pleine période de marcatisme, les services américains se demandent alors s'il est vraiment un serviteur loyal de son pays, les États-Unis. En 1954, Robert Oppenheimer est ainsi destitué de ses responsabilités au commissariat à l'énergie atomique américain. Fin 1938, en Allemagne, le physicien Otto Hahn publie un article sur la fission nucléaire. Si on brise un atome, ces fragments libèrent de l'énergie et des neutrons qui casseront à leur tour d'autres atomes à proximité, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Les découvertes de Hahn sont à l'origine des recherches sur l'énergie nucléaire qui pourrait servir à faire une bombe à la puissance dévastatrice. Albert Einstein redoute les mauvaises applications de ses découvertes. Réfugié aux États-Unis depuis la montée du nazisme, il écrit au président Roosevelt qui décide de lancer le comité Uranium pour mener une réflexion sur les armes atomiques. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs pays se livrent aux courses funestes pour créer une arme nucléaire et prendre un avantage décisif sur leurs ennemis. Malgré l'urgence, les réflexions de ce comité ne sont pas très fécondes, du moins jusqu'à un épisode tragique. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent la base américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique. Dès le lendemain, les États-Unis s'engagent dans la Seconde Guerre mondiale. Le général Leslie Groves est alors chargé de recruter une équipe pour travailler sur le développement de la bombe atomique, le projet Manhattan. Groves est un ingénieur, il a notamment supervisé la construction du Pentagone, le quartier général du ministère de la Défense américain. Il souhaite mettre à la tête de son projet un directeur scientifique capable de lui expliquer simplement l'avancement de ses recherches. Il mise sur Robert Oppenheimer, le génie de Berkeley. Leur rencontre a lieu dans un train qui roule vers New York. Lors de cet entretien, Oppenheimer subjugue Groves. Il lui explique en des termes clairs des concepts de physique. La maîtrise de la fission nucléaire pourrait conduire à la création de bombes en application de l'équation de Einstein, E égale mc2. L'énergie disponible dans une masse est égale à la vitesse de la lumière au carré. Pour faire simple, on peut convertir une toute petite quantité de matière en une très grande énergie. C'est ce qui se passe à l'intérieur d'une étoile qui fonctionne comme un réacteur nucléaire et produit de la lumière et de la chaleur. Oppenheimer est capable de rendre ses recherches accessibles et il rêve de reconnaissance et de gloire. En dirigeant le projet Manhattan, il entrerait dans l'histoire. Groves comprend qu'il a trouvé le candidat idéal. Un homme prêt à tout pour briller, qui ne comptera pas son temps et lui fera des rapports limpides. Oppenheimer ne sait pas qu'il est en train d'accepter de vendre son âme au diable pour la gloire. En effet, Robert Oppenheimer est profondément pacifiste, comme la très grande majorité des physiciens de son époque. Seule la recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche théorique sans application concrète, les intéresse, car tout est à découvrir. Le monde scientifique se livre donc à une course effrénée pour percer les mystères de la physique nucléaire. Chaque physicien rêve d'un prix Nobel. Il se dit que s'il fabrique la bombe atomique, il créera une force d'intimidation qui mettra nécessairement fin à la guerre. Il veut y croire et il négocie avec sa conscience. Il ne sait pas que ses conflits internes se lisent sur son visage et que le FBI surveille chacun de ses mouvements. Le renseignement américain s'oppose d'abord à la nomination de Robert Oppenheimer à la tête du département scientifique du projet Manhattan. Perçu comme un communiste, un rouge, un féodé à l'Union soviétique et peut-être même un agent secret. Mais Groves n'en démord pas, il veut Oppenheimer. Une fois officiellement nommé lieutenant par l'armée en charge du projet Manhattan, Oppenheimer sillonne les États-Unis pour embaucher les plus grands scientifiques résidant sur le territoire américain. Beaucoup sont des juifs qui ont fui l'Allemagne nazie ou des Italiens dégoûtés par le fascisme. Parmi eux, il y a Richard Feynman, spécialiste de physique quantique et futur Nobel. L'Italien Enrico Fermi, créateur de la première pile atomique, qui démontre que l'on peut maîtriser la fission nucléaire en chaîne dans une expérience, est nobilisé en 1938 pour ses travaux. Hans Bethe, lui aussi futur Nobel, qui travaille sur l'uranium, ou encore Edward Teller, un juif autrichien exilé, sans doute le moins pacifiste de tous.
qui travaille sur la fission nucléaire. Oppenheimer leur fait à tous la même promesse. Travailler dans un endroit fantastique pour un projet top secret à la pointe de la recherche en physique. Impossible de résister. Cependant, les membres du projet Manhattan refusent de travailler chacun de leur côté en cloisonnement leurs recherches. Bien que l'armée rêve de les isoler les uns des autres pour des questions de sécurité, elle ne peut lutter contre les us et coutumes des scientifiques. Alors Groove décide de les réunir dans une base militaire sécurisée. C'est Oppenheimer qui trouve l'endroit idéal. Enfant, il partait en cure au Nouveau-Mexique près de Los Alamos. Décor de western dans la vallée couverte de poussière rouge, loin de tout. Groove est conquis. La base militaire de Los Alamos sort de terre en quelques semaines avec ses laboratoires ultra-modernes, ses quartiers résidentiels pour les chercheurs et les militaires, ses guérites et ses checkpoints. Jusqu'à son décès en 1967, il enseigne la physique, mais aussi l'éthique de la science à l'université de Princeton dans le New Jersey. Ses travaux sur le nucléaire sont récompensés, mais aussi ceux de l'astrophysique. Robert Oppenheimer a en effet aussi été l'un des premiers chercheurs à théoriser l'existence des trous noirs. Toute sa carrière reste emblématique d'une question épineuse. Les chercheurs sont-ils redevables de l'utilisation qui est faite par la suite de leurs découvertes ? À l'heure de la recherche sur l'intelligence artificielle, cette interrogation reste que, plus que jamais, d'actualité. Comme on l'a vu, Robert Oppenheimer est un physicien américain, l'un des génies de la science du XXe siècle. Très tôt, le jeune Robert s'éprend d'une passion pour ses livres et les sciences physiques accomplies. Robert Oppenheimer connaît les tourments d'un amour sans issue. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.